coin ce soir. Voilà, donc je reprends les travaux de la 4L. Hein. On s'était arrêté un petit peu pendant cet été. Donc, comme vous voyez, la coque est là-bas. Alors, j'ai agrandi un petit peu, j'ai pas fini. Hein. Je ferme, je finis de fermer, mais j'ai agrandi un petit peu l'atelier parce que je voulais conserver la coque à l'abri pour cet hiver. Donc là, on arrive bientôt à l'automne. Voilà. Donc là, on va attaquer le châssis, le gros du travail hein, en fait. Hein. Parce que, bon, autant la coque, on s'en fout, hein, c'est une coque. Autant là, le châssis, ben voilà, il y a la rouille ici, il y a un peu de rouille de partout. Il y a beaucoup de choses à modifier puisque à l'avant, on va installer des freins à disque. On va installer, puisque celle-ci est de 72, je crois. Elle a le frein à main sur les roues avant, donc on va installer des tambours à l'arrière qui reçoivent les câbles de frein à main. On va installer tout ce qu'il faut pour pouvoir poser des sièges de Renault 5. On va reprendre tout le système de freinage pour avoir un système de freinage correct. Essence, même chose. On va mettre une pompe à essence électrique. On va mettre un filtre. On va mettre un détendeur. On va voilà. Et par compartiment moteur, et ben on va installer tous les supports pour pouvoir recevoir un Cléon, puisque là jusqu'à présent le moteur c'était un petit Billancourt. Et là on va installer un Cléon. Voilà. Donc beaucoup de travail pour cette fin d'été. Et ben écoutez, on se reprend un peu plus tard comme d'habitude. Salut à tous. Et ben, il est grand temps de lui faire un petit peu propre. Voilà, tout nettoyer, tout gratter. Et puis, on va attaquer déjà par cette partie-là, souder. Après, on nettoiera le reste, dégraisser, enlever les pare-chocs, tout mettre à l'avant. Parce que là-bas il était vraiment abîmé, mais là j'ai un trou, alors c'est pas énorme, donc avec un bout de tôle on va pouvoir refaire, parce que le reste franchement est pas mal, mais c'est dommage, j'ai pas vu le trou, sinon j'aurais pris un plancher complet, des économies de bout de chandelle quoi. Bon, tant pis, je vais essayer de récupérer les petits pions plastiques là, parce que franchement, ça c'est rare, dans une 4L, de les avoir encore. Franchement, regardez moi ça, c'est neuf. Hein ? Neuf, avec Myrlène. Bon, on va gratter tout ce qui est caoutchouc là, joint. Ça là, voilà, nettoyer un petit peu, dégraisser tout ce qui est berceau moteur. J'aurais dû la passer au Kärcher avant de la rentrer, tant pis, on va faire ça à l'ancienne, à la main. C'est
tout neuf là-dessous, ça brille la peinture. Ça brille. Bon. Eh ben allez. Je fais un peu de propre, je gratte. Je vais enlever l'espèce de feutrine qu'il y a à l'arrière. Je sais pas si j'en remettrai une. C'est pour le phonique. 4L de base, ça fait du bruit. Et puis je vous reprends un peu plus tard. Voilà. Comme diraient certains, bah, plus qu'une vidange et puis on est parti. Hein. Bon voilà, le châssis est à nu. On va pouvoir, enfin je vais finir de démonter les barres de torsion et on va pouvoir le passer, je vais le sortir, on va le passer au Karcher, on va tout le gratter, je pense que ça sera aussi bien. Allez, à plus tard. C'est la mouise, vous voyez, là c'est percé, par contre là c'est dégueulasse, il n'y a plus rien, il n'y a plus de tôle, on voit même un petit trou ici, de l'autre côté là-bas pareil, là c'est compliqué, ce que j'avais fait, j'avais acheté une demi-tôle, celle-là là, oui je suis plus dans quel sens elle va, dans l'autre sens je pense. Je sais plus, enfin voilà, mais bon, ça va pas suffire, c'est pas possible, il y a trop de travaux, et puis si je laisse le côté passager comme ça, bah c'est pas sérieux, enfin voilà. Donc du coup, voilà, j'ai acheté ça, un bac complet, donc là on va... Voilà, on va découper, on va souder et on va remplacer tout ça. Et là, ça sera nickel, 4L9. Allez, bombe à l'avant. Voilà, j'ai bien avancé, c'est fait. Au fur et à mesure, le châssis il avance. Là, on s'occupe des bacs avant et ensuite on s'occupera de l'arrière et de tout ce qui reste. Mais voilà, allez, on installe ça. Bon, et ben c'est parti. En gros.
Là c'est fait, il reste là-bas. On va faire là-bas. Je fasse dans ce sens-là, sans couper le fil de la machine. Bon bah c'est pas mal. C'est pas mal. Ce qu'il y a c'est qu'il y a l'enflure là-dessous. Je pense qu'on est soudé dessus. Donc là, tout va bouger, on va prendre un... Je pousse des copeaux. Enfin les copeaux. Sur le renfort en dessous là et on doit être soudé sur le renfort. On doit être soudé. Je pense. Voilà. De la gaufrette. Oh pas de problème. C'est de la gaufrette. Là, ça va pas couper. Pas coupé. Coupé, pas coupé. Voilà. Bon. Il y a pas un... Ouais. On est soudé sur le renfort. Péter les pieds, enfin les points de soudure, c'est pas mal, c'est pas mal. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, voilà, enlever tout ça, mais ça va le faire, hein. Oui, comme toujours, on y arrive toujours. On y arrive toujours. Je fais sauter tout ça. Je ressoude. Je crois que même je vais... Je ne sais pas si vous avez vu, mais... C'est vendu avec des rebords. Hein. Et des trous. Ce que je vais faire, je vais la poser. Bon là, je vais couper. Hein. Mais ici, là, je vais la poser. Je vais bien gratter, enlever la rouille. Je vais la poser. Je vais la coller. La popée, et je vais la pointer juste dessous. Et ça ira bien, je pense. Ça fera très propre, ça sera étanche. Vu que c'est pas structuré pour la 4L,
Ça tiendra des années, ça ira très bien. Allez, on fait comme ça et on se retrouve plus tard. Allez, tchuss. Ben voilà, hein. C'est enlevé. Allez, on continue. C'est beau, enfin c'est beau. Non, c'est rouillé. Il y a encore du travail. Bon, alors j'ai un gros souci. Là, ici, tout va bien. Alors, heureusement que j'ai pas découpé avant d'enlever l'ancienne tôle. Hein. On voit que c'est bien descendu. Le plancher s'est bien mis en place. Sauf que regardez là-bas. C'est pas du tout les mêmes dessins. Donc là, je sais pas comment je vais faire. Il va falloir que je martèle la tôle, que je refasse le dessin, ou enfin je sais pas. Sinon tout le reste, franchement, c'est top. Ça va, il y a que quelques endroits ici, là, il va falloir là le bosselage, voilà, soit je martèle, soit je découpe. Voilà. Mais sinon le plancher par lui-même, il est bien. Et on va avoir un joli plancher. Mais là, je sais pas. Ou alors, il y a deux générations de 4L et j'ai pas fait gaffe, mais c'est le bordel. Bon, allez, on continue, on se reprend un peu plus tard. Bon, ben voilà, c'est propre, c'est nettoyé. C'est tout passé en anti-rouille. C'est tout passé au dégraissant. On va pouvoir mettre la plaque. Donc la plaque, je vais un peu découper. C'est du bac acier, hein. C'est... Voilà, c'est un plancher. C'est pas structurel pour la voiture. C'est une voiture quand même. Une 4L, c'est pas très rigide. Donc, je prends le plancher. Le plancher contribue à sa rigidité. Et ben voilà. Donc là, j'ai découpé parce que ça ne suivait pas. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, je vais l'appuyer. Enfin, je vais coller. Appuyer, le coller, le popper. Et ensuite, on fera quelques points de soudure. Et puis, ça ira très bien. Voilà. Ça va cacher un peu la mouture. Et puis, dessous, je vais le souder et le coller. Je pense que là, on a reparti. C'est pas une Ferrari. Ça reste une 4L. Mais au moins, on est reparti pour quelques points. Bah allez, feu, on y va, allez. Tout le vieux klaxon à enlever, c'est long. Hein. Mais au moins, on retourne à la tôle. On sait ce qui se cache en dessous. Comme ça, en grattant, j'ai vu que là, il y avait un trou, là aussi. Donc, ce morceau de tôle, là, on va le changer. Faire ça en plus, on est sûr que tout sera propre, et après on passe tout à l'anti-rouille, enfin l'anti-rouille,
destructeur de rouille, anti-rouille, peinture et klaxon. Bon, quelques mètres carrés encore à faire. Ah bah là on rote la rouille. Il y a de la rouille sous Bledson. Là il y a un trou. Un trou. Et en plus, au niveau du longeron. Donc là, bah là il va falloir découper. Réparer et même renforcer, je pense, parce que c'est de la sécurité. Putain, il mettait de la colle de partout, je sais pas. Vous êtes encore là? Bon, on se retrouve plus tard. Allez.